Félicitations, vous avez souscrit à une offre Internet Tango et nous vous en remercions. Découvrez comment brancher vous-même votre Fritzbox en VDSL en toute simplicité. Assurez-vous d'avoir reçu par DC Postal une box contenant votre Fritzbox, un câble réseau jaune, un câble DSL gris, un câble d'alimentation et une notice. Il y a quelques jours, vous avez reçu un email ou un courrier avec vos différents comptes et mots de passe. Gardez-le près de vous, nous en aurons besoin bientôt. Branchez le câble DSL gris à la prise téléphonique murale de votre maison et au port gris de votre Fritzbox, DSL, TEL. Maintenant, branchez le câble d'alimentation de votre Fritzbox à une prise électrique. Voilà, votre box est allumée. Le voyant Power DSL doit clignoter. Maintenant, pour configurer votre Fritzbox, il y a deux options. La première, en raccordant votre PC à la Fritzbox en utilisant le câble réseau jaune. La seconde option est un raccordement à la Fritzbox via le Wi-Fi de votre ordinateur, tablette ou smartphone. Dans « Réseau Wi-Fi », sélectionnez le nom de connexion de votre Fritzbox. Cette info se situe en dessous de votre Fritzbox, ici. Connectez-vous. Le mot de passe Wi-Fi demandé est le code WPA2 à 20 chiffres que vous retrouverez également en dessous de votre Fritzbox, ici. À présent, ouvrez un navigateur Internet et dans la barre d'adresse, saisissez « Fritz.box ». Choisissez votre langue. Encodez le mot de passe administrateur composé de lettres et de chiffres. Il est aussi indiqué en dessous de votre Fritzbox. Ensuite, cliquez sur « Connexion ». Dans la liste des pays, sélectionnez « Luxembourg » et cliquez sur « Suivant ». Sélectionnez « Annexe A ou B » selon ce qui vous a été communiqué sur le courrier de bienvenue, puis cliquez sur « Suivant ». Maintenant, votre Fritzbox va démarrer automatiquement. Sur cette page, entrez à nouveau le même mot de passe administrateur, celui qui est en dessous de votre Fritzbox. Cliquez sur « Connexion ». Sélectionnez Tango comme fournisseur dans la liste et quand cette liste apparaît, sélectionnez Tango Blue VDSL Internet hors TV. Si tout est correct, cliquez sur « Suivant ». Sinon, corrigez les informations en cliquant sur « Retour ». Voilà, votre connexion se met à jour et un résumé de vos paramètres s'affiche. Cliquez sur « Suivant ». Pour cette dernière étape, le nom de votre réseau, Tango XXXX, et le code de votre Wi-Fi. Cliquez sur « Suivant ». Le voyant vert « Internet » est illuminé. Cela signifie que votre connexion Internet fonctionne. Félicitations! Si malheureusement ce n'est pas le cas, appelez notre service client au 27 777 617. Découvrez nos autres vidéos tutos, dont celle sur le branchement du téléphone fixe ou sans fil. À bientôt! Tango, let yourself go!